Salut à tous, c'est Louboutou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière. La carrière de Louboutou, le milieu offensif centre de l'Estaque de Troyes. Donc on a 70 de général maintenant, on augmente à peu près notre valeur de 81%. Et donc on était blessé dernièrement. Donc on avait voilà, eu 2 semaines de repos. Là, on n'avait pas joué. Là, on avait été donc blessé. Donc là, on n'est pas appelé à Caen. On n'est pas retenu dans le groupe. Pourquoi donc? On est encore blessé, apparemment. On n'est pas encore rétabli à 100%, même si on a repris l'entraînement. On n'est pas encore rétabli. Donc, on est parti. On est parti. Alors. Du coup, on gagne 1-0 grâce à Jean sur une. Ouais, on sait pas qui c'est qui a fait la passe des nains. Voilà, 1-0. Du coup, au niveau du classement, on était. Bah voilà, on est 6ème. On est 6ème avec 8 points. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, nous, on doit vraiment faire des efforts au niveau de notre jeu. On doit vraiment faire quelque chose. On va faire les entraînements. On se retrouve donc juste après. À tout de suite. Heureux. Donc on se retrouve après les entraînements. Nous avons donc réussi à avoir 3 A et 2 B dans les ateliers où on a le plus de mal. La création d'occasion est éliminée vis-à-vis. Donc ce que je voulais dire avant de commencer l'épisode, c'est que vous avez été assez nombreux à suivre le premier épisode de cette série, et ça m'a fait vraiment plaisir, énormément de commentaires et de j'aime. Donc ça m'incite vraiment à faire la suite de cette série. Donc merci à vous. Vous avez y a eu plus de 20 commentaires, il me semble, et à peu près 8 j'aime. Et en quelques jours, j'ai atteint très rapidement les 50 vues. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'avais réussi à faire ça sur la première vidéo FM, la Ligue 1 avec les abonnés, où ça avait très bien fonctionné dans les premiers épisodes. Donc voilà, merci à vous. Si vous continuez à me suivre comme ça, honnêtement, ça me fera vraiment plaisir. Donc on est parti, on est retenu dans le groupe face à Angers. On va essayer de faire un match solide. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Donc il va falloir sortir un match solide. Donc cour à gauche, Darbion, Jean en face de nous, Dabo, la cour Martial et NDA avec Dreyer, Othon et Quinones. Et on est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour et Angers bienvenue à vous. et Nouvel Stack. épisode dans ce championnat qui nous passionne. Franck Sauzet est là, fidèle au poste. Prenez Mince. place, vous êtes ici chez vous. Un petit écho, j'avais oublié de couper le son de ma télé. Qui se valent, c'est pas technique. Deux groupes très proches l'un de l'autre. Difficile de Donc dégager on la est centre pour lui. sixième, face au seizième, Qui reste sur un résultat mais il n'y a que 4 encourageant. points Une victoire à d'écart. domicile contre Caen. Donc voilà, il va falloir faire un match 1-0. solide, c'est important. Je ne sais pas s'ils peuvent rééditer Ça ce fait même quelques matchs résultat. qu'on n'a pas gagné. Enfin, qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas joué plutôt avec l'équipe. Et c'est clairement compliqué de faire du jeu avec cette équipe. Donc on va essayer d'être solide, d'apporter à ce qu'on apporte, que ce soit offensivement, défensivement, au niveau de la construction du jeu. Oh, c'était dangereux ce que j'ai fait. On va les laisser jouer aussi. Il faut que ce soit eux qui se créent des occasions. Guillaume Lacour. Allez, pour le moment ça se passe plutôt bien. C'est une passe ça. Oh merde! Oh, première perte. Allez. Putain, j'aime pas perdre des ballons comme ça. Ça fait plusieurs fois là. Faut pas que je perde des ballons. Bien joué au ton.
ralenti, change de camp. Allez, c'est pas à moi de prendre la profondeur. Oh, attention à lui. Allez, c'est pour Darmian. Avec un partenaire. Allez, rejoue derrière, ça serait cool. La frappe. Oh. Ah, j'ai tenté le tir alors qu'il y avait quelqu'un devant moi. Quentin Auton. Il s'avance vers la surface. Ah oh, merde. Putain. Dommage, 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 on perd bêtement le ballon là encore. Sur une mauvaise passe, ou c'était dangereux. Donc pour le moment qu'on contrôle bien le truc, on fait quelques erreurs qui sont pas dramatiques et qui gâchent un petit peu le jeu. Bonne récupération ça. Auton. J'aime pas du tout le jeu à Auton. Ah, et puis c'est moi qui perds une note, enfin une 0,1 point. Ça passe à côté. Ça passe à côté. On a perdu trop de ballons dans cette première période. Et continuer le pressing. Voilà. Voilà, c'est payant. Ah, c'est quoi ce jeu? Mais oui. Ils font en fait des fois ils font des passes, t'as l'impression que c'est des tirs. Et quand il y a un adversaire à 5 petits mètres de toi, tu perds le ballon. Oh, bien protégé ça. Allez, encore. Allez, le pressing là, laissez-les pas jouer. Ah, hors jeu. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors jeu. Ouais. Difficile cette première période, on finit par une note de 5,9, c'est pas catastrophique mais ça commence à être négatif. Surtout qu'on n'a pas non plus une forme énorme. Quentin Auton. Ouais, mi-temps. Première période plutôt mitigée. Notre prestation individuelle est plutôt limite, trop de perte de ballon, pas assez de beaux jeux. Et puis, au niveau global, hein, pas grand chose à se mettre sous la dent. On peut voir un petit peu le détail des matchs. Voilà, un tir cadré et deux tirs de l'autre côté. Et au niveau voilà, des notes, niveau milieu offensif buteur, on n'est pas terrible. Les performances, voilà, on a perdu quand même deux passes. On a loupé, on a fait un tir cadré, mais c'était contré, on a quand même perdu 7 ballons, donc ça c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Donc on va essayer de se reprendre dans cette deuxième période. Allez, c'est parti. L'arbitre vient de donner le coup. Donc faut vraiment que je pense à mettre en 5 minutes et à checker un petit peu la difficulté. Alors c'est pas en légende, simplement parce qu'en légende, quand tu joues tout seul, quand tu fais un seul joueur, c'est vachement compliqué. Parce que tu fais pas tout le jeu de l'équipe hein, et eux t'as pas l'impression qu'ils sont légendes. Mais en champion je crois que c'est ça. Alors si tu pouvais me la... Oh dommage. Oh le tir, c'était beau. C'était beau. Le petit tir là. Ouais, c'est sauvé par le gardien. Allez, on va essayer d'être dangereux au niveau de la tête. Oh putain, bah ouais. Il y a trop de monde là, on pouvait rien faire. Quand on a un dribbleur, je pense que tu peux t'en sortir large, mais je suis vraiment pas technique. Hein. Allez, le pressing là. Oh, on va essayer de créer quelque chose. Ah, bon, on récupère quand même. Qui c'est qui peut prendre la balle? Allez, toi. Remets-la moi, je vais la faire direct là. Oh, la cour. C'est peut-être un peu fort. Voilà, ça c'est bien. Oh, le but. Magnifique. Le but de Jean. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir un petit peu de voir nos coéquipiers se créer des occasions. Bon, sur une frappe, il passe un petit peu forte sur la cour qui loupe son contrôle.
Mais après, il fait la passe D. Cette fois-ci, avec une autre caméra. Il fait la passe D à Jean. Et ça fait allez. 1-0 au tableau d'affichage. Nickel. Ça fait plaisir, on n'est pas obligé tout le temps d'être. Même si on a participé. On a participé. Donne son ballon. Oh, attention de ne pas se faire égaliser direct. Il a fait le décalage. Oh, c'est bien dégagé. Ah, dommage. Contrôle. Bukamoto. Oh, bonne petite récup. Par contre, la passe, elle est limite. Allez, encore la récup. Ah, dommage. Dommage, il est hors jeu, Jean. Là, il était déjà hors jeu, quoi. Il était déjà hors jeu avant que je puisse mettre le pied sur le ballon, quoi. Il fait chier. Place-toi, Jean. J'avais vraiment fait une belle petite. Un beau petit travail défensif là. De récupération. C'était dommage. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Ah, ça c'est bien joué. Ah, ça joue en retrait. Essayer de. Ah, dommage. Je pensais qu'il allait centrer, du coup je me suis mis un petit peu au centre. Il n'y a personne de côté. C'est dommage. Duel en perspective. Et le tir. Oh oui, c'est beau, le 2-0. Encore une fois, on n'est pas sur la passe D, mais on est sur l'action. Voilà, c'est du collectif. C'était bien joué. Et ça fait 2-0. L'extérieur. Hop. Paf. On a réussi à un beau petit truc. Et après, c'est Jean qui voit bien. Il voit bien. Et puis. Puis Darmion, magnifique. Magnifique. Ah, elle est belle, hein. Belle petite image. Bon, bah, ça fait 2-0. Bon, dans ce match, on n'aura pas été. Que ça soit offensif ou. Les passes D, tout ça, on aura eu beaucoup de pertes de ballons, mais voilà, on aura fait le jeu collectif au niveau des passes. Ah, il n'y a personne de l'autre côté. Enfin, oh, il va faire le con. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'était dangereux. Dommage qu'on était un petit peu en manque de souffle. On n'a plus rien dans les pattes. Mais on a plutôt bien joué le coup. Hein. Alors on demande au premier poteau. Notre marquage, il est 0. Ah, dommage. C'est 0 ça. Quel centre. Quel centre 0. Allez, on va faire tout le match. 6,5. Ah, dommage! Putain, j'ai loupé mon coup. Allons, on se bat. Ah, dommage, dommage, dommage. Ah, dommage! Ce que j'ai loupé, c'est triste. Mais j'ai plus trop de. Brillant. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. J'avais bien joué le coup. Mais bon, on peut pas tout réussir non plus. Sur ce match individuellement, j'ai pas bien réussi. Mais voilà, j'ai apporté du collectif. C'est ce qu'il faut. Ça finit par 2-0. Voilà. On a fait tout le match en plus. Même si à la fin, on était quand même assez fatigué. Voilà, on n'a pas fait de passe D, on n'a pas fait de passe clé. Mais on a fait 88% de passe. Et on a perdu quand même 10 ballons. On a perdu quand même 10 ballons. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment. Vraiment réussir à changer. Ce que je voulais voir, c'était les ah ouais, c'est ça, voilà. 3 tirs, 3 cadrés. Ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent quand même, hein. Mais bon, ça fait 2-0. Ça fait 2-0. C'est bien. Voilà.
Bon bah du coup on va faire les entraînements, on se retrouve juste après. On va juste regarder le classement du coup. Bah oui, on est sur le top 3 bien sûr, bien évidemment. Allez, à tout de suite. Et re, on se retrouve donc avec 3A, 1B et 1F en coup franc assisté. J'ai essayé de changer, le problème c'est que j'ai aucune instruction dans cet entraînement. Donc voilà, je me suis foiré. Parce que je sais pas s'il faut tirer avec quel joueur. Enfin, voilà, bref, c'était le gros merdier, j'avais aucune indication. Donc plutôt bon entraînement, on continue. On est presque à 71 de général et on va pas être sélectionné pour le match face à Saint-Étienne. Donc c'est pas grave, on va le simuler, on va espérer qu'il gagne à domicile. J'aurais bien aimé faire un petit match à domicile, mais on doit être un petit peu fatigué peut-être. Ouais, défaite, défaite, doublé de Money Paquet et un but de Jean. C'est pas grave. Du coup, non, c'est bon, on n'a pas besoin de faire les entraînements. Voilà. Je suis retenu dans le groupe face au Stade Rennais. On va essayer de faire un bon match. Ouais, on va essayer, hein. Du coup, on est 8e. Allez, on est parti. On va essayer de faire bien mieux que individuellement, je parle. Collectivement, ça serait bien qu'on fasse un petit peu pareil. Allez, Bonjour à c'est vous, c'est toujours un parti. plaisir de vous retrouver pour ce nouveau On match était de Coupe peut-être un de petit peu trop France. Merci de nous fatigué pour rejoindre faire le dans match la face à cour. Saint-Étienne. Oui, On va essayer arrivez-vous de tout donner bientôt. sur ce match. Merci de nous rejoindre. Il y a Othon, il y a Darbion, Vous s'était fatigué à il y a domicile Lacour. lors de son dernier match contre Saint-Étienne. Vous avez écarté Ah, il y a beaucoup de points Gourcuff de contre l'autre eux. côté. Je vais avoir peut-être faire Ah, il y a marquer mieux Gourcuff, par Boga, Fernandez, vous dans la André, Henrique au milieu de composition terrain, du Sio Stade en Rennais. attaque. Et Je Mexer rappelle Mendes que le en match aura défenseur fini au central. Camp Nou. C'est le Centraux. juge par le 4-5-1 qui l'a mis en place. Allez, on est parti, on va essayer de faire Il y un a bon toujours un peu de match. tension dans les travées sur la pelouse alors que le coup d'envoi vient d'être donné. On va déjouer la ballonnade. Oh oui, le bon pressing. Le cours. Ça fait plaisir. On va essayer de descendre un peu parce que. Il Ah, va c'est pas passer la vrai ça. touche. On cherche pas Victor vraiment Lecuix. ce signe. Et le centre. Sinon, dans FIFA, on est mal noté. Le pied de coin. La cour, il fait vraiment un mauvais match, hein. En plus, il a le brassard de capitaine sur ce match. Mais tu veux quoi, l'entraîneur? Il me dit que mon placement, il est pas. Oh Le là là. marque de la tête. Match désastreux. C'est qui a marqué? On voit cette frappe dans la Donc tête. nous C'est le on est bleu là. dans l'information. Et Ouais après, c'est non. technique, c'est le reste. C'est On a tout mis le tout monde. son cœur pour frapper ce ballon de la Le tête. gardien était Voilà, aspiré, après cette deux frappe du défenseurs ont corner, été ça fait un aspirés 0. et ça fait un zéro. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment moi qui ai causé. Mais l'entraîneur il sait pas ce qu'il veut, bordel. Mais ouais, mais ça sert à quoi que je me Dans la mette là? cour. Est-ce qu'il y a un ballon qui va venir vers moi? Ah, j'aime beaucoup plus faire comme ça. Ouais, je donne le ballon, il y a du monde sur moi. Ah, mais tu me l'as remis Gabriel. direct alors que je suis vers les joueurs, c'est pas vrai ça. J'ai horreur de quand ils font ça là. T'es en pleine accélération, ils te redonnent la passe, le ballon. Tu peux rien Le foutre. ballon dans la Et boîte. on est Manque d'implication sur ce centre. super mal Et elle va noté dans ce falloir match. éloigner le danger. Jenson Fernandez. Et l'arrêt du gardien. Bonne prise de Ah, je crois que balle. ça va être un match assez compliqué. C'est le Stade Rennais. C'est Pereira, on va essayer de lui. Voilà. Hors-jeu. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Le Ah, ballon a été Pereira hors remis trop jeu. tard. Ah, là, on est vraiment très très mal noté. 5,5. Benjamin André. L'entraîneur nous fait aucun cadeau. J'ai toujours pas été vérifié, Le checké centre vers la surface. les minutes Non, c'est pas très bien et la centré. Le difficulté. défenseur est le premier sur ce ballon. Ah, c'est bien joué, mais Pereira il s'en sort Ils pas là. sont à la récupération. Il fait le contrôle, mais c'est tout. Léon Henrique. Pour s'en Lacour. sortir, c'est galère. Ah, Guillaume Lacour. oh, mais c'est quoi ça? Ouais, parfait cette interception. Jenson Putain. Fernandez. Ah, c'est un match que je vais pas aimer celui-là. C'est un match que je vais pas aimer du tout. Niveau collectif, on n'y est pas, hein. Ah, pas que nous, hein, mais ce que fait l'équipe. C'est très moyen. Allez, on est passé. Le tir! Attention!
Oh, c'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Ce qu'on a fait, c'était beau. Mais le petit tir là, qui s'écrase contre la barre, est trop élevé. Beaucoup trop, trop élevé. C'était plutôt bien joué. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. Mais la finition n'y est pas. Je crois que j'ai pas la confiance. J'ai pas la confiance. Et récupère un ballon facile. Par rapport au dernier match où collectivement ça fonctionnait bien, sur ce match là j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, bordel. Oh là, il est tout seul. Il était tout seul. C'est l'attaquant. L'attaquant, il est sans marquage. En même temps, ils m'ont mis Vescovac. J'ai horreur de ce joueur. Désolé, mais j'ai horreur de son jeu, de ce joueur. Même si sur FIFA, il est bien noté. Allez, l'appel d'Arbion. Voilà. Non. Oh, le centre. La tête. Oh, quel dommage. Putain, il est encore... Je veux bien me replacer assez vite, mais le bloc est encore haut. Ça sert à quoi d'être aussi bas? Allez, on va essayer. Ah, puis on est complètement... On est à la rue. Oh là là, ils se gênent entre... C'est quoi ce collectif par rapport au dernier match? Oh, le match de Saint-Etienne, à mon avis, il a fait mal. Il a fait très très mal au moral. Que j'ai une équipe comme ça. Alors, c'est pas les mêmes joueurs. Défensivement, déjà, c'est pas les mêmes joueurs. Ah, dommage, il a fait direct la passe. Allez. Oh, il a jamais joué. Allez, dans... Bon. Alors, le topo individuellement très 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 difficile parce qu'on a très très peu de ballons. On a fait une belle petite action. Malheureusement, notre frappe s'écrase sur la barre. Mais elle était un petit peu trop enlevée. En plus de ça, j'ai voulu faire plat du pied, mais j'aurais dû tirer en force. J'aurais dû tirer en force. Sinon, collectivement, bah, j'ai du mal à voir l'équipe qu'on avait contre Angers. Hein. On peut voir que j'ai fait deux tirs. Il y a eu deux tirs, un cadré. Et ouais, 39% de possession. Enfin, honnêtement, c'est un désastre. Et puis, je suis saqué par l'entraîneur, que j'ai perdu que 3 ballons. Mais en même temps, voilà, j'ai pu faire que 6 passes. J'ai pu faire que 6 passes. Donc, j'ai pas grand chose en fait. J'ai pas grand chose à me mettre sous la dent. On va voir les notes des joueurs. Vescovac 6,4, c'est honteux. Oh, c'est honteux! Ce qui loupe la cour, par contre, ouais, 5,6. Il fait un mauvais match. Vous pouvez voir hein, derrière moi, voilà, ça suit pas. Si j'ai pas les ballons, voilà, c'est pas que de ma faute. C'est collectivement. Alors, sur ce match, c'est difficile de faire quelque chose sans bouger de son poste. C'est ça le problème. C'est que l'entraîneur il veut pas que je bouge quoi. S'il lève la tête, ça peut être oh, pourquoi tu... Et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Oh, il s'est fait une élongation quoi en faisant ça. Et il a pas essayé de courir, il a essayé direct de faire la passe. C'est dommage. C'est dommage. Chose. Allez, tu peux me la renvoyer tout de suite sur le côté de Dreyer. Non, ok, bon, allez, va te cacher. Allez, c'est maintenant que tu l'as fait. Allez, va te taper quoi. On s'en sort bien, on a réussi à faire la tête, mais honnêtement, il fait chier quoi. Allez, tout de suite! Voilà, c'est ça! Allez, on la garde, on la conserve! Mais non, c'est pas là que je t'ai demandé de faire le contrôle! Il se met face au défenseur, bordel! C'est pas ça, moi je voulais être face à la ligne. Tu perds le ballon, tout ce que tu veux, tu perds le ballon trop facilement en faisant ça. J'essaie de faire le pressing, mais. Cette rencontre où le Stade Rennais affrontera Monaco à l'extérieur. Parce que j'ai hâte de commenter avec vous, Hervé. Oh, elle est un petit peu longue, mais ça va passer. Voilà, on est passé. Ah, oh, dommage. C'est bien défendu. Oh, Darbion. Il me fait. Mais pourquoi tout le temps il fait le contrôle? Pff, oh là là. Il me fait tout le temps le contrôle face au joueur. Moi, je veux le contrôle derrière. Pour protéger le ballon, sinon tu perds trop facilement. Ah, puis... Voilà.
On peut. Je peux avoir aucun ballon. Ah, le carton, il va prendre cher. Un carton jaune. Mais ouais. On va pas tarder à sortir, à mon avis. Il y a un nouveau poste. J'ai fait le pressing, mais. Allez, tout de suite là. Voilà, merci. C'est pas du tout là, mais Darbion il a pas fait exactement ce que je voulais. Ah, je suis bien. Je suis bien pris au marquage. Hein. Oh, les passes. Attention à ces coups de pied de coin, c'est souvent une occasion de but. Allez, on va la demander au premier poteau. Voilà, elle est belle. Oh, dommage, Fernandez qui a bien couvert. Allez, deuxième corner. Allez, on la demande. Deuxième poteau encore. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah, c'est zéro ça. On commence vraiment à être fatigué d'abord deux fois. Et bien Rennes va affronter la suite. Et les joueurs ont fait un match très sérieux et cette victoire qui se dessine me semble logique. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe changer ce résultat. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression sur leurs épaules en cette fin de match. Ah putain. On peut être le coup de poignard. Oh, il y a pénalty, non. Putain, je suis foiré. Je me suis foiré, j'ai dit tirer, après j'ai du coup quand j'ai récupéré j'ai tiré, dommage. Dommage, dommage. J'aurais fait beaucoup mieux je pense. Ah! Ouais, j'aime bien. On augmente un peu notre note, mais voilà. Voilà, c'est typique, hein. C'est typique de ce match. Ça résume merveilleusement bien ce match. C'est que j'arrive à bien emmener le ballon, à faire les passes. Mais après, ils font de la merde. Et regardez, là, je la demande de ce côté-là. Bon, là, il est assez rapide, le goal. Le petit Dreyer. Ah, hors-jeu. Pereira, il est tout le temps hors-jeu. Tous les attaquants que j'ai dans mon équipe, du moins. Tout le temps. Enfin bref, ça résume plutôt bien. Donc là, vous voyez, on a rien fait de mal. Hein. On a rien fait de mal, on a perdu 0,1 point. On est saqué par l'entraîneur. Alors que je trouve qu'on fait pas vraiment un match si dégueulasse que ça. C'est juste collectivement que ça a pas fonctionné sur ce match. Individuellement, j'ai pas réussi à marquer, certes. Mais voilà. Assez triste. Assez triste. Pourtant, voilà, 88%. Bon, on fait 50% de tir cadré. Et on perd seulement 6 ballons sur ce match. Surtout, mais c'est 6 ballons sur des passes complètement abusées quoi. J'ai fait un poteau. Ah oui, j'ai fait un poteau. C'est juste abusé quoi. C'est juste abusé. J'aurais dû le marquer celui-là. J'aurais dû le marquer. Sinon au niveau des stats, vous voyez, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais. Et il manque, ouais. Et au niveau du jeu de passe là sur ce match, je suis pas vraiment responsable, c'est ça le pire. Du coup, bah on va jouer Guingamp après. C'est le dernier match, je crois. Guingamp, ouais, je crois que c'est le dernier match. Donc, on fait une petite pause, je vais faire les entraînements. À tout de suite, heureux. Donc, on se retrouve pour le dernier match. On est passé à 71 de général, les entraînements étaient plutôt. Bon pour un côté, mais toujours les dribbles, tout ça, c'est assez compliqué. Et les coups francs, ça va un petit peu mieux. Bon, bah du coup, on va faire Guingamp. On est retenu, on est à domicile. On va essayer de faire un bien meilleur match. Parce que, à mon avis, on est un petit peu en forme. Hein. On n'est pas en grande forme, hein, honnêtement. Voilà, on a une forme de 6. On a une victoire, 2 nuls, 2 défaites, 1 but seulement. Pas terrible, vraiment pas terrible. Donc on va essayer de faire un bien meilleur match. J'espère que collectivement ça va aller un petit peu mieux. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Donc Kiroa Jean devant nous, Cour, Martial. J'espère que c'est pas Vescovac. Ça doit être la Cour encore à droite. Allez, c'est parti.
Ravi de vous retrouver pour J'ai bien ce envie de match en voir la compagnie de compo quand Franck même. Sauzet. Salut Franck. C'est le Salut temps. Hervé. Et aujourd'hui, J'ai vous appuyé l'avez trop compris, vite. il va falloir composer avec la pluie. Donc la pelouse va fuser. Attention, long ballon. Du coup, je sais pas quelle de position l'équipe assez proche on est au classement de Ligue 1. On est plutôt pas mal pour le moment. Voilà, on est 9e. On affronte le 3e. Ouais, le Stade Rennais qui était 7e. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais. Je pense que la défaite à domicile contre Saint-Etienne a fait beaucoup de mal parce que je comprends pas comment on a pu passer. Ah, c'est la meilleure défense. Passant d'un match collectif superbe avec deux buts marqués par d'autres personnes que moi et par un match où c'est complètement horrible. Ah merde, il y avait Skovac avec Othon. Ouais, pas terrible. J'espère que derrière moi ça va mieux gérer. À mieux gérer, que je puisse bien construire, rester à ma place au niveau du jeu de passe. J'espère qu'ils vont pas faire les passes comme ça parce que c'est des vrais tirs ce qu'ils font, c'est des tirs. Guillaume Lacour. Oh le contrôle! Oh ce que j'ai fait! Le contrôle de merde! J'étais même pas en train de regarder, j'étais déjà en train de regarder où j'allais faire ma passe. Ah merde! Martins Pereira. Ah Martins Pereira, ancien joueur de l'Estac. Ouais, c'est propre ça. Ancien joueur de l'Estac. Vendu à la mi-saison normalement, mais bon, comme c'est la base de données hivernale, il est vendu. C'est dingue. Guillaume Lacour. Ah, j'allais faire l'appel, mais non. Oh, Lacour qui perd le ballon. Allez, Othon, le pressing. Ah, Lacour qui a déserté son couloir. Et faut pas le déserter. C'est Jérémy Brien. Le tir. Oh là là, ce fut difficile. Ah, le contrôle dégueulasse, ça c'est bien, contrôle croyant. On reconnaît ses marques. C'est bien joué. Oh non! Oh non! Ce que j'ai fait, bordel! J'ai demandé la passe en profondeur, il me l'a fait bien avant que j'ai demandé. Il fait chier! Ouais, putain! Ça c'est plutôt bien joué. Ah oh, merde. Oh putain. Oh quel tir de merde. Oh quel tir. Ce que je fais. Ce que je fais dans ce match. Ce que je croque. C'est juste horrible. Ah fait chier. Oh ça c'est bien joué quoi. Oh j'étais sur la tête. J'ai pas réussi à m'imposer. Putain, c'est pas vrai ça! Oh le tir! Ça... Oh merde! J'ai tout défoncé! C'est juste au-dessus! J'ai eu peur de le gêner! J'ai eu peur de le gêner, mais c'est passé! Oh, c'est passé! Okay. Bah, ils ont loupé 3 heures pour me faire la passe en profondeur! Ah, c'est faute ça, monsieur l'arbitre, bien sûr. J'étais passé. Putain. Si je le passais. Bon, j'étais sur mon mauvais pied après, mais. Allez, donne-le-moi, ici. Oh non. Oh là, t'aurais dû me la donner. Putain. Oh putain, oui. Oh oui, la passe D. Première passe D pour moi. Magnifique. Ça c'est du jeu. J'allais vous. J'avais envie de passer, de mettre une accélération, mais j'ai fait la petite passe D. Magnifique.
Ça, ça fait plaisir. Première passe D de ma carrière. Sur un beau petit but de course croisé. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la 45e. Ah, c'est bien parce que je suis content parce que dans ce match, honnêtement, on mérite. On mérite même si on s'est trop, croqué. On a trop croqué nos occasions. Mais on mérite vraiment d'apporter quelque chose individuellement à cette équipe. Et on mérite le score. Parce que là, je retrouve une équipe collectivement qui fonctionne bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on peut voir, on domine quand même, mis à part la possession, on a les tirs. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. La sortie de Auton, yes, yes. Pas très gentil, mais ouais. Des fois Auton, on JCP aussi, il nous fait de la merde des fois. Mais là Auton, il était pas dans son match encore. Ça arrive assez régulièrement. Oh, bien joué. Ah, il y a personne. Il y a personne en fait. Tu la donnes à qui, bordel? Ah dommage, ah si c'est bon, j'ai eu peur. Oh, oh ce que j'ai mis. Oh je la voyais dedans. Oh là là, ce que j'ai mis. La frappe. Ah je suis dégoûté. Oh, je suis vraiment dégoûté. Ah je mérite le but sur ce match hein. Ah putain. Ce que j'ai mis. Ah. Ah, fait chier. Et le petit contrôle encore foireux. On fait l'effort. Allez, on fait l'effort. Voilà, c'est payant. La bonne récup. On s'est cramé un peu, mais au moins on récupère. Oh oui. Voilà, c'était bien couvert. Donc on est vraiment dangereux dans ce match. Je pense qu'il commence à le comprendre. Il faut le pressing et le marquage sur moi. Prochaine rencontre et ce sera pour le compte de oh Ligue. Putain, oui, j'ai bien géré. J'ai cru perdre le ballon. J'en suis quasiment sûr. Tous du même côté, voilà, faut changer. Allez, donne-la moi. Ah, ce qu'on fait, le jeu de passe. Ils arrivent pas à nous prendre le ballon. J'aime beaucoup mon match. On s'en souviendra. On s'en souviendra un petit peu. Je suis déçu hein, si j'arrive pas à marquer dans ce match. Et je suis déçu aussi s'ils arrivent à marquer. Parce qu'on n'aura pas réussi à faire le break. Alors on va essayer de faire le pressing. Oh. Je voyais ça dedans. Ouais, ça passe largement au-dessus. J'essaye de pousser un peu. Bon là on commence nous à être fatigué. Ça va être difficile de sortir une accélération. Alors qu'on la joue un petit peu plus haut. Si j'ai envie de marquer. Ah j'ai loupé hein. J'ai loupé le but. Je crois que j'ai fait qu'un but dans ma carrière. Pour le moment. En match officiel. En match amical, j'en avais mis un aussi. Sur une belle petite récupération. Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre, bien sûr. Alors, est-ce qu'on va sortir? Je ne pense pas quand même. Non, on sort pas, c'est que Guingamp qui fait sortir. Ouais. Oh merde, je voulais la faire à Jean. Ah j'aurais carrément dû la contrôler je pense. La contre-attaque qui fait mal, attention. Oh le but. Oh merde. Oh merde, je suis un petit peu responsable de ça. Sur la perte de balle, ils ont fait une contre-attaque et ça fait but. Ah là, vraiment. Quel dommage. Et Jean qui va sortir. Ah, ce que j'ai croqué sur ce match, si on ne gagne pas, honnêtement, ça sera vraiment de ma faute. Ah,
Oh, hein. En concert. Joli travail de protection. J'en ai fait un peu trop. Un tout petit peu trop. Le 10 et le 8. Non, c'est Darbion qui sort. Nous, c'est bien. On fait tous les matchs maintenant. Ah, c'est contré. Allez, on est fatigué. Ça va être difficile d'apporter quelque chose, peut-être la tête. Ah, il la touche. Ah, le capitaine. Ah, je suis déçu parce que sur ce match, honnêtement, j'ai vraiment fait un bon match. On finit avec un 6,7. Bon, certes, on a perdu un ballon. Bêtement. Une contre-attaque. Allez, c'est peut-être pas fini. Oh putain. Ah, des fois je demande trop le ballon, faut que je le laisse. Faut que je les laisse faire. J'essaie de leur donner des solutions aussi. Ah, on fait le pressing. Oh, ça c'est payant. Oh non! Mais non, putain, je demandais la balle. Enfin, je demandais pas la balle, je demandais l'appel. Je faisais l'appel en profondeur, il m'a fait une passe. Ça a tout niqué. Parce que là, il y avait vraiment un gros trou, quoi. Ah. Oh putain, ce que je loupe. Oh là là, tout ce que j'ai croqué sur ce match. L'arbitre vient de siffler la fin du match sur cette égalité au score. Ah, j'étais encore sur mon mauvais pied aussi. C'est dommage. Tout le temps sur mon mauvais pied quoi. Trois tirs non cadrés. J'ai fait une passe décisive, une passe clé. J'ai perdu quand même 9 ballons. Ouais, je finis avec 6,6. On peut revoir encore mon poteau. Je crois que c'était celui-là. Ah, elle était magnifique. Elle était vraiment vraiment magnifique. Grosse frappe. Et puis voilà. Voilà. On va revoir notre passe D. Ouais, elle était vraiment, vraiment belle. J'ai vraiment bien vu le coup. Et après, il marque vraiment un superbe but. Et puis après, voilà. Non, on s'en fout du carton jaune. Ah, c'est décevant. 6 tirs de cadré. Ouais, on a un petit peu chié. On a un petit peu chié dans la colle. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. J'aurais vraiment voulu marquer. Pouah. Ce que j'ai croqué dans ce match. C'est désastre. Bon bah du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc après, il y aura 2 semaines d'entraînement et on reprendra sur Nantes, Metz, l'Olympique Lyonnais et Bordeaux. On pourra continuer Sochaux aussi. Ouais, prochain match, on essaiera de faire ça. On prend juste nos objectifs, voilà, 6-20, un but, on est dedans, 2 occasions de but. C'est fait, 60%, on a 86%, c'est nickel. Prochain objectif, on va arrêter avant les entraînements. Non. Bon bah voilà, on s'arrête là-dessus donc pour aujourd'hui. Je vous invite à faire pareil que pour le dernier épisode. N'hésitez pas à mettre plein de j'aime, plein de commentaires, ça fait toujours plaisir pour commenter cet épisode. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner aussi, vous êtes plus de 136 abonnés exactement il me semble. Et voilà, ça augmente de jour en jour, donc merci à tous. Et on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode. Salut à tous!